Monsieur le député, vous mettez des yo là, ça y est, article impeachment. C'est à dire, vous mettez des yo deux raisons qui fait que vous pouvez voter, vous dites, pour être capable de retirer Mayorkas comme boss en chef au niveau du département Homeland Security. C'est avant-hier dimanche là que vous mettez des yo deux articles impeachment contre Homeland Security Mayorkas. Il a accusé Mayorkas de ce que volontairement monsieur t'a refusé et obéi avec la loi. Il a parlé tout que monsieur t'a eh bien cassé confiance que public là t'a fait et justement il a même il a décidé pour t'a retirer monsieur dans poste li. Et il a fait comprendre que article ça était d'ailleurs des raisons pour eux-mêmes, c'est des raisons pour eux-mêmes qui t'a irréfutable impeachment. D'après House Homeland Security Chairman, nous voulons parler de McGuinn et Ertin dans la déclaration qu'ils ont fait. Ils ont dit que Mayorkas de manière systématiquement refusé appliquer loi immigration Congrès a été voté et que monsieur perdit confiance publique là parce qu'il fait comprendre que Mayorkas t'a fait de fausse déclaration dans le Congrès. Nous connaissons le terrain de Mayorkas dans le Congrès. Côté que vous avez posé une bonne question. Et vous même dit que Mayorkas a fait obstruction avec le Congrès. Et nous connaissons Jean Doula plusieurs fois. Mayorkas a pour la. Tu comparais justement à titre de témoin devant le Congrès. Et dans un mémo qui fait que sorti, DHS soulignait que, c'est souligné toute investigation que le député républicain a mené, était inconstitutionnel, pas de aucune évidence, et il a été réfuté catégoriquement allégation qu'il a fait. Il a été parlé avec des experts en droit et qui montraient que pas gain aucune base d'impeachment, pas gain un critère impeachment là pas rencontré. Et donc et bien ça pas empêché que monsieur yo nous connaît, yo à la veille élection, yo voulait marquer un point tout. Et House Speaker Johnson a déclaré que il va gain pour voter aussi tôt que possible. OK? Et yo gain pour réviser article ça yo jeudi mardi a. Et il va l'adopter lui, il voulait adopter lui dans l'assemblée générale pour capable mettre Mayorkas en jugement. Nous voulons rappeler dans l'histoire, pas bon ici aux États-Unis, c'est une seule fois que gagné un ministre, c'est vers les années 1976 qui était impeach qui était obligé de remettre démission pendant que le président Ulysses Grant secrétaire d'État et c'est en 1976 qu'il fait ça. Il était accusé de corruption. Maintenant, en fait, premier article impeachment sur Mayorkas, mais ça dit, il a accusé monsieur de ça, il a facilité catch and release. Il a facilité le fait que il a essayé de m'en appréhender, il a gagné. Ça, il a catch and release. Son bagage qui était toujours fait. Et qui a un rapport avec la loi, ça on est pas comprendre catch and release. OK, me catch. OK, on a dit que me monte frontière. Il y a plusieurs contraintes. Un. Vraiment tu as assez espace pour me kembel. OK, tout temps pour mon droit pour mais le pas gain espace ça qui passer là. Le pas gain assez prison, pas gain assez cabane. Donc ça il veut me contredire. Deux. Et gain des séries de monde, la loi dit clairement ou pas ka kembe yo. Donc pour petit moun yo pas ka kembe yo de manière définie avec parents. Trompe tal des séparé avec parents et ba ça te font tolé. Donc la notion de catch and release te gagne sous trompe tout. Donc de façon vous dit que ça n'est que pas avancer là pour ta et pour ta jeter Mayorkas ça, li pas grand ken base. OK? Et article ça tout il a accusé Mayorkas du fait que lui t'a contourné la loi de bien et lorsqu'elle décidait pas aller
des migrants aux États-Unis en masse. Sans façon pour capable blaguer encore. Je parlais de monde nous connaît des monde sur frontière là qui ont parlé. OK? Donc malgré tout ça on dit que et Speaker Johnson pourquoi fin sur non? J'ai vous expliquer pas là. Un, on a dit négro t'arrive voter, yo dit que yo joine vote, yo impeach Mayorkas. Il y a plusieurs facteurs. Deuxièmement, c'est que impeachment pour impeach le monde, vous connaissez pas seulement la chambre des députés, il faut passer dans le Sénat. Et qui est-ce qui a contrôlé le Sénat, c'est les démocrates. De toute façon, vous dit, vous laissez ça clair pour tout le monde. Mayorkas pas qu'à tomber. Une négro toujours voulu faire un point politique, faire un message passé. Mais sur le plan pratique, Mayorkas pas qu'à tomber, il faut avoir une deux tiers Sénat pour voter. Ça, c'est ça que je dis. Mais deuxièmement, tout ça, vous devez souvenir, vous, c'est que, dans le moment où je parle avec vous là, Mark Johnson peut qu'on finisse sur qu'il a même joué une majorité, non, même républicain, yo, qui peut impeach. Parce qu'il y a des modérés qui doivent décider. Pas oublier que M. Gonti majorité actuellement de trois députés simplement. Donc, il ne doit pas qu'à jouer ni. C'est grand ensemble de modérés qui pensent que vote ça, ka coûte yo cher. C'est pas juste dire, non, il y a des impeachments comme ça. L'autre part encore qui est plus grave. C'est que leur entrée dans cause impeachment ou comme bloquer parlement ou bloquer chambre député là ça son souligner ça leur entrée dans impeachment toute activité campée pour dans impeachment et gagner ces bagages urgents qui besoin régler ces derniers jours lundi urgent des bagages qui pas attendre notamment on connaît que il y a cause budget à régler là pas oublier que pays a son petit bout de budget qu'il gagne. Il y a une série de gros négociations qui ont fait. Il dit qu'on pile bas important qui ont fait là. Et leur alors c'est un impeachment obligé d'après la loi. Hein, de vous n'avez pas procédé d'impeachment. Basically c'est comme sous shutdown congrès. Donc s'il est vrai que les gens ont besoin marquer un point politique à la veille des élections pour montrer que il y a jeté et ministre au niveau de débat et au niveau de Homeland Security. But il y a un bon bagage qui va qu'on fin clair. Ok, gon bon bagay la ki pou ko fin kle. Et yon lot bafon dou ke genyen de republikan menm ki di nèg yo sa ou pral fè la kanpe sou li, parle de impeach. Mayorkas. De republikan, men se genyen de demokrate ki vwe di klèrman. Yo di sa republikan ap fè la son wont, ok, ou genyen yo di son abus de pouvoir. Dans un document de 29 pages et que vous faites sortir jeudi lundi et démocrate dit c'est une véritable honte le fait que Homeland Security ranking committee member ça l'a fait là. Ça a fait là c'est purement politique, ça a eu un hit job parce que il faut frapper l'autre là, il faut appeler et il dit deux principaux monde qui passent l'autre ça c'est Donald Trump. Et puis, Marjorie Greene, il te demande pas ça depuis le faire paraître. Et donc, il dit que Snego a brisé fondation système démocratique lorsque il a choisi pour déclencher impeachment sans aucune base. Nous voulons rappeler, il faut souligner ça bien que ça va faire actualité. Mais il y a longtemps, il a déclenché un impeachment contre Biden, bien que vous ne pensez pas attendre de faire ça, puisque. Puisque la vérité cause impeachment Biden n'a pas gagné vraiment pas gagné n'est pas gagné du tout pour ta bien que lance impeachment là mais il pas gagné aucune base ou presque pas attendre ça fait actualité. OK, ou presque pas attendre en quelle actualité de causer impeachment Biden. Donc voilà, n'a suivre si effectivement McGinnis ne doit pas même jouer même il ne doit pas gagner un vote même dans parmi partisan pour lui arriver impeach Mayorkas. Donc voilà guys, nous avons été update ça pour vous.